yangwane komi kopesa banguna mayele mabe bakote la biso na mboka bakote la biso madele na biso alo na lingina ingi sabino kona likamwa banguna oke ba na bango banguna lelo bakomi pe na bakandida na kata bakandida na biso wana ya banguna pe bazali Ayakiawa, Baye Koko Sabino, Lokuta, Babuki Lokuta. Baye Bisi Bino Kovote Bango. Lengana Kolobana Bino Kosala Keba. Bona Simana Bango, Monguna Mule Nazawana Komuna Ekol Kagame. Yen Mutapakani na Simana Bango.
Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, Tokobita Masolo Nakati, République démocratique du Congo, où nous sommes pendant cette période, il y a campagne électorale, cette période, il y a fièvre, il y a élection Nakati, République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui, dans presque plus ou moins 10 jours, que la République démocratique du Congo va connaître quatrième cycle électoral Nakati, République démocratique du Congo. Et Bongo, et Zali, rendez-vous, il y a Congolais, le 20 décembre 2020. 23 à la urne. Congolais, nous sommes au Kendeko, ça, la choix n'a yé en ce qui concerne Oye, Bako Kamamoka, Oyo, na Kenkena, Oyo, et Kobanda, Bongo, na 2024, fidèles téléspectateurs. Et ça, là, quelle question, Yakoïba? Parce que sur la toile, il est question, Yakoïba, image. Félix Antoine Tshisekedi, na Lubumbashi, à Salimpia, Kato, Salimpia, Kate, na Bukavu, na Goma, parcours, na yé Mobimba. Et de l'autre côté, à l'opposition, ils allaient ma vidéo, Oyo, Babakissi, Bato, Yako, Bakissa. Mais aujourd'hui, nous allons savoir, est-ce bellement, est-ce que c'est vraiment, image, autre comme on a, y a plein, toi, y a vide, ils allaient réalité, toi, ils allaient image, motée. Donc, on a bandi, était pour décortiquer, en gros, la quatrième émission, la mission à l'élo. Il est aussi question de savoir, programme présidentiel, ils allaient. Tout le monde est candidat et belé, ça y a présentation, il y a programme d'avant-go, il y a sous refondation, il y a sous reconstruction, il y a sous construction. Mais programme, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ezali Nini. Et c'est un peu comme ça, et nous avons affectueusement notre Gustave Tshibangu, Ezali Bongo, économiste, mais l'autre qui est ma solo parce que il est na casquette et à Fativent, c'est la personne Oyo Akotambola, na chef de l'État, a palpé réalité du doigt, yangoane sengela qui naye, aya pour que a expliqué biso situation sur terrain, ya campagne à chef de l'État, Ezali Kosalema Ndengeni, mon amboka, mbote na yo. Mbote Ndeko Olivier, c'est toujours très heureux, ya koya na émission na yo. Parce que l'émission Nayo, ils allaient l'émission y a vérité. Tout à fait. Ils allaient l'émission, ils allaient permettre au peuple congolais, Naran, Nabango, Nyonso, ils allaient intellectuels, ils allaient Moutou, ils allaient moins intellectuels, ils allaient Moutou à Tangiming, ils allaient Moutou à Tangimingité, ils allaient Moutou à Koloba Lingala, ou bien Moutou à Koloba Français, Batou Nyonso, Bali, comme ils retrouvaient dans quatre émissions Nayo, Yango, Nako, Sepela, Koleka, pour éclaircir l'opinion, mais également le peuple congolais, comment campagne à chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fativant, et Zali Koleka sur terrain, mais aussi qu'au bêta, l'isolo yaba idée, parce que toi, au Mona, Makambo a collé quand même la campagne électorale où les gens s'élancent beaucoup plus dans les insultes que les idées, alors que ma programme né et Sengeli et Toutana, au Toutala, programme Nino et Yali, Malam pour Namboka. Programme Nézali, Malam pour Namboka. Mon Namboka, Gustave Tshibangu. Yoko palpe réalité. Y a campagne à chef de l'État du doigt parce que vous allez na terrain, na chef de l'État, avec cette casquette. Y a Fativent, équipe, y a campagne pour accompagner chef de l'État na électorat. Oyo, mon Namboka, ton Togo, t'as la réalité sur terrain. Félix Antoine, tu sais que tu l'as battre campagne. Message naïe. Bilan aïe à quinquennat, nous sommes au la population à chaque coin Oyo Ako Kenina tourné naïe. Mais aujourd'hui, mon amboka, programme présidentiel, les amis. Ndeko Olivier, avant d'aller à la question, on a un programme présidentiel. N'a pour rappeler, téléspectateurs, Nabiso, que président de la République, dans le cadre et à organisation naïe. Nenga ali ko organiser pe action nae na niveau ya mboka na niveau ya gouvernement a chaki une équipe de campagne qui a un quartier général un QG et puis équipe wana ils ali composé na deux directeurs de campagne vous ali na madame Acacia Bandubola ou na ali conseiller nae na kati ya team Fativant mais tu ali pe na directeur de campagne Moussousou Maître Jacquemin. Mais au-delà, il y a directoire où ils ont composé des directeurs. La campagne, vous allez au moins à 5 directions dans lesquelles vous trouvez une direction politique où vous allez à professeur Nabiso, professeur Moukoko Sam, où vous allez en tête, il y a direction
oyo ameka ki même koleka na itando ike pour expliquer également le programme du président de la République. Mais nous rappelons aussi que programme wana ya président de la République, chef de l'État ye moko ali ko présenter déjà yango na ba meeting nyonso oya koleka ako beta lisolo ya kati ya programme wana. Programme wana e ali détaillé. Et parce que akoki ko landa enchaînement et hiérarchiser point par point na kati ya ba meeting te parce que makambo yali belé ya koloba président ali komi adapté na peuple parce que peuple ali ko pesa pe ba feedback na ye tango ako mona na meeting a chef de l'état et ali meeting ya aye a koloba kaka te ako yoka pe ce que le peuple dit. Ça veut dire peuple ali na ye ako lakisake tozana yo ba ko pesa pe ba proposition na bango na makambu oyo ezali ko kende malamu na makambu oyo eke malamu te pour que chef de l'état au travers programme naye ameka ko rencontrer ba besoin wana et chef de l'état ako pesa programme wana mais ao biso to ako meka ko pesa pe yango na ndenge ya hiérarchisation pour que peuple congolais ameka ko comprendre comment programme wana e ali voilà na koleka. Na lekisko na point o question posinga ya programme présidentiel les alini. Programme ya candidat numéro 20 Fatshi 20 et Ali Boy. Premièrement, esengeli toye ba que président de la République a alaki na programme na 2019. Ba promesse o asalaki na peuple congolais. Action na ye, vision na ye a pesa ki yango na 2019 et a implémenté yango ba réalisation Ezali. Comme président en fonction, programme naye et ali programme moko ya continuité en réalité. Et ali ko ya ko continuer na élan oyo azwaki depuis 2019. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en 2019, président Zagi na vision, programme oya chaki. Mais boulou yeke o elekaki entre yena bandeko ya FCC et ça là qui que alia qui 2 ans na kubundana ko chaye les charis dans les osa komona ndenge ba ko bloquer makamba bande ko na biso ya FCC jusqu'à ce que il s'est séparé na bande ko na ya FCC. C'est à partir de 2021 que son plan d'action a pris l'élan et en 3 ans ma réalisation et mon ami et programme naye et yé ko continuer na élan wana. C'est comme ça que le président de la République présente son programme en 6 engagements. Ça veut dire à 8 engagements, 6 pour exécuter, pour continuer, pour consolider ba aki. Ils ont engagement ici. Engagement au-delà il y a Ezalaki na 2000. Au-delà il y a Oyo Ezalaki. Oyo Salemi na noté Oya ko kanisa ko sala so ki to renouveler mandat. De renouveler confiance le 20 décembre en les votant comme président de la République. Bah, si engagement, c'est premier engagement. Engagement, on a élobi plus de pouvoir d'achat. Elingi Kolobanine. Plus de pouvoir d'achat. Elingi Koloba. Et Sengeli Batu. Pouvoir d'achat, il va fonctionner. Ça veut dire, Ndenge Tokenda Kosomba Biloko na Wenzi. Et Sengeli. Biloko wana to somba yango na ba primoko o ezali primoko stable. Dollar o ezali ko mata mwanda. Esengeli ba mesure ezwama. Plus de mesures pour que stabilité ya cadre macroéconomique ezala pour que peuple congolais ameka ko garder pouvoir d'achat na ye makasi. Pouvoir d'achat déjà ezaki amélioré mwanda par rapport na environnement malgré ma condition au niveau international où ezalaki yomoko yebi tozaki na COVID-19 mais après COVID il y a la crise russo ukrainienne oyo ali ko affecté monde mobimba et sali que dépréciation ya mbongo ezali ko affecté pouvoir d'achat ya peuple congolais. Maintenant pour résoudre ces problèmes le président de la République au travers programme naye a pour proposer ma mesure. Première, il faut une harmonisation. Il y a grille, il y a rémunération, il y a ma fonctionnaire.
kobanda na ye moko chef de l'État, président de la République. Tina fonctionnaire ya souka, il faut une harmonisation ya grille ya rémunération. Éviter les inégalités oyo ezali constaté entre les salaires na ba rémunération, que ce soit ya ba député, que ce soit ya ba fonctionnaire. Donc essayer d'harmoniser, avoir une grille de rémunération oyo ezo sala ke mutunyonso akoki kozwa quand même moins salaire na ye. Voilà, engagement parmi ba mesure mususu na kati engagement wana eza que le président est en train de proposer une nouvelle structure, un nouveau système de fixation des prix des produits pétroliers. Et l'inkolobani, tant que l'essence est mata, yomoko yebi que soke essence mati, transport imataka, et puis les prix des autres biens également augmentent, ou les alliés qui ont affecté le pouvoir d'achat à peuple. Pour que tu luttes contre yango, le président a vu engagement. Il a proposé une nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Ou il a ça là, il a audité le système. Ou structure où ils allaient actuellement, bah moni bah faille où ils allaient et puis bah quoi améliorer en gros pour que nous puissions avoir une structure des prix qui permet de pouvoir garder le pouvoir d'achat du peuple congolais stable. Donc aussi longtemps le président de la République il a parlé sur question à dollar à l'obi qu'il faut produire localement pour que stabilité et macroéconomique et bah aussi et même stabilité et monétaire et bah aussi il faut produire localement. Mais nous allons produire encore, nous allons produire pendant quinquennat au Baropé, ça y est mon amour. Effectivement pour Omona que il est engagé dans la production, tous allez na agenda ou toi bien agenda de transformation agricole. C'est parmi les projets ou soit les programmes où ils ont déjà mis en œuvre et puis ils ont continué. Et le président s'inscrit. Mais aussi, il faut rappeler que le président, dans le cadre toujours, il y a pour financer l'activité, il y a des paysans. Parce que les paysans peuvent produire. Le président de la République, à quel il a pris l'engagement de la fonds de régulation économique. Fonds de régulation économique, wana ezali structure, ou ezali na ministère de l'économie, ou esengeli, bacha foneti FPI, ou bien FOGEC, ou eko permettre que ba financer ba producteurs locaux, ya ba produit de première nécessité. Ça veut dire ba produit ou toa ko benga ba produit de base. Le maïs, le riz, l'huile, le produit pétrolier également font partie, ya ba produit stratégique wana. Ça veut dire FOREC, azakouya, pour alimenter les producteurs locaux, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit ou bien qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Même si Oyali na Bumba font et akulanda yokuna, mais ton produit, afin que la production soit ébelle, il y a un peu permettre que le prix de Yabiloko et Salanini est quitté. Il y a un peu insisté partout là où il part, que Essengeli ton produit pour que dollar et Salanini. Et quitta. Là, c'est l'aspect économique. C'est l'aspect économique, l'engagement et l'iboso. L'engagement et l'iboso. Mais juste pour faire une parenthèse, qui est que même dans le fond, il y a un groupe et tout le monde a un peu de temps, il y a un peu de temps pour alimenter, il y a un peu de temps pour tout le monde. Incertain, parce que tout le monde est chef d'État, il y a un entrepreneur, jusque-là, tout le monde a coupé, tout le monde a été. Bon, ça, c'est toujours ma question, puis ma autre questionnement éthique à nos sein et tout, il y a ma population. Mais ce que tu as mis au Kende, on a l'aspect engagement sur l'aspect économique, les autres aspects, les autres engagements. Mon aspect engagement, Yami Balé, je rappelle que au travers de l'aspect engagement, il y a l'action et il y a comme on a un journaliste. Il y a un peu bénéficier de financement. Il y a un peu de FOGEC, Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat de jeunes. Et il y a un jeune qui va bénéficier quand même de fonds. Mais essayer de accroître niveau ou soit de accroître nombre na bango. Mais manière yako soit ba jeune wana yako pesa bango ba fond yango ezala ka un peu moins fustigé na kata. Non et ali fustigé mais to ali ko kené nango malembe. Mais je vais rejoindre deuxième engagement ya président o ezali ko yako ko meka un peu ko harmoniser likambo outi ko loba wana. Deuxième engagement ezali ni président a eu engagement au travers diagnostic et Salemi, les universités, mais également les instituts supérieurs, envoient au moins par an 42 000 jeunes au bas, au côté, dans le marché du travail. Et l'ingi koloba, et s'engeli misala pour naba jeune wana.
chaque année plus de 42 000. Est-ce qu'ils allaient utopiquer yango engagement yango opposition et longo na Félina Moïse Katumbi va kobenga Félix Azali président ba promesse parce que comment on a ba engagement si kazui mais na ba réalisation nango ça peine à moi koko so comment est-ce que au côté ça 40 000 aussi longtemps que na marché emploi toi na ba entreprise de quoi accueillir yango na koloba engagement ya mibale tiki langa temps na expliquer comment président de la République a ko proposé a ko pe sa vision na ye comment a ko tcha en œuvre pour créer plus de 6,2 millions d'emplois pour les 5 prochaines années. A lobi boy 42 000 jeunes sont lancés sur le marché du travail par an, mais pour les 5 années, il prend l'engagement na ye sa ki o keza ba engagement a ko joa devant le peuple. Il va créer 6,4 millions d'emplois. Mais il va les créer comment? Au travers trois niches. Première niche, ils ont 2,6 millions d'emplois pour les 5 années. Mais au travers quoi? Au travers la formalisation du secteur informel. Et les Kolobanin, ce qui au tali les études montrent les alertes qui produisent d'ailleurs par l'INES, je crois en 2019, et là qu'on a plus de 600 000 unité économique, auto petites entreprises, informelles. 98% des entreprises ont enquêté dans le secteur informel. Mais les entreprises ont engagé. Le gouvernement a aligné à sa financement et pas ma petite entreprise. A coupé sa yamo et pas entreprise ou formelle. Yamo na ko yimsa ou a. Ke yali na entreprise nous sous ya jeune et yali nango. Mais yali est capable de soutirer crédit ou soit financement. Il y a gouvernement T. Parce que Bali n'a informel, Bali n'a zela, l'État a koué Bali bangoté. Parce que le président, pour créer 2,6 millions d'emplois pour les 5 prochaines années, au travers Nishwana, il y a formalisation à secteur informel, le président a koucha en œuvre, ba mesure, oyo et a ko permettre ba jeune, au Bali n'a ba entreprise n'a bango. Oza n'a moins entreprise n'a yo et produisaka maï. Oya li n'a moins entreprise, moi garage n'a yo. Oyo, et ça, là, automobile, et travaille, là, je ne sais pas, et là, là, moi, bah, véhicule, bah, ni, oyo, là, comme on, et ça, pour engager, moi, 2, 3, 4 jeunes. Mais, entreprise, voilà, et elle est informelle, et elle est dans Zéla. Et ça, la capacité à pouvoir financement, mais, population wana, ba petites entreprises wana, elles à la formaliser. Tant qu'on y a les formaliser, ba koki ko bénéficier d'un financement parce que yebi que pour promouvoir entreprise na yo, osa na posa ya financement, osa na posa ya mbongo. Mais mbongo wana l'État a tché qui 100 millions de dollars l'année passée pour que ba jeune oui tu galapé ko mona ba akéri ya na koyebi sa distribution na injectation na ngona kata marché et to na kata ba entrepreneur to na kata ya bato ba yo singa ba fond to yo kapété 100 millions et ko songa na ngona pocha ba jeune ba ka ezali ba jeune on ba bénéficier na ba financement wana mais ebele ba ali capable ya ko soutirer financement wana te parce que ba ali na secteur informel yango niche ya liboso pour le président et singeli ko formaliser ba entreprise wana toi ko tcha ba mesure ou ya ko permettre bango base à la formelle voilà niche la niche 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 na financement niche niche. Deuxième niche président a ko engagement et a ko créer au moins 1,6 million d'emplois dans les territoires au travers les grands investissements dans les territoires. Les investissements dans les territoires c'est quoi? C'est au travers par exemple les programmes de développement local des 145 territoires ou yebi ke na kati ya programme ya développement des 145 territoires. Il est prévu la construction de plus ou moins 145 bâtiments administratifs. Ba bâtiment wana et qu'on a construit par banane. Ba population o yali na kati ya ba territoire wana. To yali ko prévoir par exemple construction également il y a ba route de dessert agricole. Ba route de dessert agricole wana. Banane ba ko construire yango et yali ba jeune. Yango président akoloba au moins 1,6 million d'emplois seront créés sur les 5 années. Mais au travers ben investissement au l'État pour ça là na kishasa te na kati ya ba territoire na kati ya ba territoire na kati ya milieux ruraux yango nde eko permettre que ba jeune o ba ali na kati ya ba territoire wana bazwa misala de manière que ba exode rural ezala kati ndenge ezali lelo wa komona mutu nyonso alingi jeune nyonso
alinga ya kishasa akosala ta moto akosala ta ma kop moko kop ango ezande azana kati informel yango akomona ke ben investissement deuxième niche ya président et ali ya ko investir na kati ya ba territoire troisième niche oh est très importante de Olivier avant d'aller dans le troisième engagement c'est que le président voulait investir sur la chaîne des valeurs agricoles. Et les Koloba, 70% de la population d'Abissou est vivant dans le milieu rural. Oui, bien moi. Et puis, bah, jeune et belé, bah, aller dans le milieu rural. Wana. Et c'est l'agriculture d'Abissou. Oh, et ça, qui lobby agriculture, moko délaissé. Le président a démontré la volonté au travers même la loi de finances 2024. Soko tali, crédit budgétaire alloué dans le secteur agricole et mati. Et l'ongwe, je crois, de 4%, les lots, on est en train d'avoisiner le plus de 10% de crédit budgétaire dans le secteur agricole. Et Zali Koulak, ça a déjà volonté, au président Zali Nango, il y a qu'au développer l'agriculture Nabissou. A tchepé en place agenda autour ou bien agenda de transformation agricole. Donc, Nishwana, et qu'on permettre à jeunes dans le milieu rural, Bameka, qu'au Zouamisala, au travers l'agriculture, il y a monde qu'on permet de payer dollars au toi pour les lalelo et mes kakokita. Voilà, parce que la plupart il y a bande ko bazali na kati ba territoire balela ka nde nzela pour que ba bimisa ba marchandise na bango. Parce que donc on a que territoire mais nzela ya ko bimisa ba marchandise ne yango ça pose problème mon ambo. Effectivement, yango parmi les trois grandes initiatives du président de la République na kati ya programme na ye, première initiative eza le programme de développement local de 145 territoires follet route alobi yangonde akobunda nango tinasuka première initiative naye combat naye eza ya désenclaver ba territoire faire en sorte que les villes soient assainies mais également que les territoires soient interconnectés ça veut dire que toutes les provinces soient connectées les unes des autres qu'on ait une intégration d'abord territoriale mais également l'intégration territoriale permettra l'intégration provinciale et l'intégration provinciale va permettre ce qu'on appelle l'intégration nationale. Où est-ce qu'on permettre Pébisso, l'OBI, dans deux ans, trois ans, tout le monde a avantage. Il y a projet Mounene, où est-ce qu'il y a l'Union africaine, où est-ce la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, que c'est au travers volet route au président Azu Yangoloko, l'initiative Farnaye Nakati. Il y a programme présidentiel 2024-2028. Quatrième engagement, président Alobi Boy. Plus une économie diversifiée et plus compétitive. Et l'ingé Kolobani, économie Nabisso, l'ingé Ali, les économies, mon président, basé beaucoup plus. Un secteur minier, yo yebi, yo zamo panzi sango, aussi tout bêta déjà ma soumou. Même, même budget en boka, budget en boka, et à la grande majorité, na secteur, la secteur minier, ça veut dire dans le secteur extraction. Et extraction, on a, et zali extraction moko brut. Et l'i golobanine, coltan ou toi qu'on produit, c'est du coltan brut. Et c'est n'est qu'en libanda, bah raffiné en mot libanda, valeur ajoutée. Et zande à l'entreprise et à libanda, et puis, bah, c'est le biseau yango dans ma produit fini. Ma caméra, yo zan ango a kousale. Bilambo otulati. Et ali ba produit na biseau ke libanda. Et zongé le biseau loko la, produit fini. Président Lobby, il prend l'engagement de rendre notre économie plus diversifiée et plus compétitive. Dans le sens où il va s'investir pour pouvoir avoir des raffineries. Et puis, je vais te donner, par exemple, en termes de réalisation, c'est que, ouyebike, Primera Gold, Oyo, société tout créa qui pour nous lutter contre le commerce illicite et les minéraux. Dans l'Est, la réalisation est allée comme on a. Dans Katia, Contrawana, il est prévu la construction d'une raffinerie de l'or. Dans Katia, Mboka Kongo. Ça veut dire que l'or Nabiso et Okendelisu Soulibandate pour pas qu'il y ait une raffinerie en Mokuna. Et c'est une raffinerie et Zalana Kongo, la suite qui vous connaît. Et raffiner, or Nabiso, ton bâtisse en haut valeur. Ça veut dire que côté qu'il y a un ressource qu'on a pris haut, il y a un côté qu'il y a inventé. Il y a un côté qu'on permet de recettes à l'État et man. Cinquième engagement. Engagement, voilà. Cinquième engagement. Cinquième engagement, président Alobi Boy. Je prends l'engagement. Plus
des services de base. Elingi kolobani. Elingi koloba. Enseignement primaire. Oyo eza lelo. Gratuit. Et singeli emata. Toko mati na secondaire. A vu engagement na yango na yebisa ki yo ke programme ya président est un peu différent na programme ya batu mususu. Ye azali ko ajouter un plus sur les réalisations qui ont été faites. Lelo na ko yebisa yo enseignement gratuit au boya yango te ndeko ndeko Olivier. Oza mo panzisa na kende na ba micro na yo na primaire, enseignement de base. Enseignement de base yali gratuit. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5 millions de jeunes, des enfants qui ont repris les bancs de l'école. Bah, oh, bah, na capacité, il y a kotangate, bah, zongi, mais elingi kolobate ke moi bah, faille zalité. En matière, par exemple, il y a qualité, il y a enseignement, c'est là aussi. Et ali kosal, basal pléthorique, il y a bah, nanakat, il y a, basal, il y a enseignement, bah, oui, ali kosal a été qualité pays du munier, mais moi, n'amboka. Moi, n'amboka. Parce que les très important, parce que tant qu'on a comme ces missions, là, il dit que, et yo, kotam, boulana, chef de l'État, ou quoi, accompagner, mais question, ils ali moko, pe, ban, de kouban, neki, pe, kotuna. Ils ont dit, moi, je suis Gustave. Qu'est-ce que vous avez dit à la population? Est-ce que vous avez dit que maman a cassé la directrice de la campagne chef de l'État? Ah, mais je pas chef de l'État, Félix Ato Tshisekedi Tshilombo, message Oyo. Pourquoi pas dans la République démocratique du Congo, mon conseil a dit enseignement secondaire gratuit? Pourquoi pas tout penser à la reconversion? Il y a système éducatif la biso pour que permettre tout tient les lois bah section comme il y a agriculture bah section comme il y a forestation bah section comme il y a minerais pour la kotangi sabana bana batanga ndenge nini il y a pour transformer diamant ndenge nini il y a pour ça la même ata ba groumette ni ba montre à diamant ndenge nini il y a pour reboiser tout il y a pour ça ba traitement comme il s'attaque attaquer ba ya pamba na banzité na biso pourquoi pas pour ça la reconversion et système éducatif la biso au lieu que d'autres qui a toujours un système où ils allaient généraliser où ils allaient aider et à venir il y a jeunesse la biso dans Nicolas Alikouya. Donc Olivier, je pense que au rencontrer Baïdé, il y a président de la République, le président de la République s'en est déjà exprimé sur cette question avant même les élections, avant même les programmes présidentiels. Na coupé Sayo, quand le président s'est rendu pour valoriser journée scientifique, je crois, avec le ministre de l'Innovation et Recherche scientifique. Je crois, yo, aux amours principaux, qui n'a pas pu couvrir l'événement. Comment le président s'était engagé pour valoriser les scientifiques congolais et les jeunes, les innovations de la RDC. Et à Sengaki, dans le gouvernement, va allouer crédit budgétaire un peu très élevé dans le secteur. Il y a recherche pour que bisomoko ba jeune na biso ba congolais tous ala na innovation tous ala kaka batuya ba domaine moko ya koloba mingi te tous ala na ba domaine moko technique. Et s'il faut changer un système éducatif de Olivier, ce n'est pas quelque chose qu'on se réveille un matin, on dit nous changeons directement. Non, pas du tout, c'est processuel. Les réformes qui sont en train d'être faites aujourd'hui, tout ça, la gratuité, par exemple, et enseignement, à niveau, il y a primaire, tout le monde à la quinquennat, c'est gratuité secondaire. Et ça, engagement à Zali Kozoa, c'est de la même façon que les réflexions doivent être passées. Ils ont des réflexions beaucoup techniques. Et Ali, une toilette, qu'on gère toilette publique ou qu'on gère toilette naïe en dap. Excusez-moi les termes. Gestion et à l'État, ma tambour à l'État. Et à l'État. Tant qu'on a abordé ma question d'État, et Sengeli, qu'on a un charisme, il y a homme d'État. Et Sengeli, sixième engagement chef de l'État a eu engagement devant le peuple congolais.
les services publics les plus efficaces. Et l'inkolobani, ce qu'on fait, la carte d'administration publique, les lots, services où ils ont offert, ils ont différents, les services où ils ont offert 3 ans, 4 ans passés. La réforme où ils ont mis dans le secteur et l'administration publique, dans le ministre, vice-premier ministre Liaou, Yomoko Yebi aux Amopanzisam. Yebi qu'il y a des gens qui sont partis en retraite aujourd'hui, qui acceptent également de partir en retraite. Les secrétaires généraux sont partis. Aujourd'hui, il y a la numérisation au niveau de l'administration publique. Ah, mon amour, oui, oui, oui. Ministre Eberan de Kolongele, à Kosiba Congolais, à numérisation, il y a l'administration. Et Bélé, à Paperas, tout comme on a un bureau, il y a l'administration. Ministre numérique, à Kosina, à Congolais, moi. Mais Olivier, est-ce que vous voyez que les lots doivent aller dans le portail du gouvernement? Oyo, soki yo, okoti, wa komona, ministère Songolo, et alina kati, ya internet, et alina site nango, okoti, omonipe, kombo ya ministre, omonipe nenge structuration, et alina. Bali, okoti, sa l'information, malembe, malembe. Tosa la ba kongolete. Toko sa ba kongolete. Nali, nokosa, nana kosa la kongolete. Yo yebi, nana kosa la kongolete. Toke ina administration, ya chaque ministère. Toke ina service, ya archive. Archives numériques, tu es allé toujours dans ma paperasse. Ndeko, Olivier, question n'a pas été simple. C'est la première fois. Est-ce que vous voyez d'abord que c'est la première fois qu'on ait un ministère du numérique qui n'a pas tant beaucoup? Et ça, l'ini. Et apporter. Et aller coquiner. Et apporter les informations que je te donne. Code numérique, on est allé. Où en sommes-nous dans la paperasse? Vérifiable. Où en sommes-nous dans la vérifiable. Le président. Question n'a pas été simple. Dans quatre administrations, il y a chaque ministère. Ndeko, Olivier. Il y a chaque ministère. Service, il y a archives. Ils allaient dans la papyrasse, tous les numériques. Olivier, les réformes, lorsqu'on les amène, elles ne sont pas instantanées. Ils ont ma cambounion sur et à pour changer mal à mon côté. Jusqu'à quand? Parce que le ministre, code numérique, il y a beaucoup qui allaient wapi. Code numérique, il y a beaucoup qui allaient wapi. Et pour ça, l'anime. Voilà encore, réforme, il y a mon nez, pour les années, il y a un et ça, il y a beaucoup, toi. Réforme est apportée. Non, mais est-ce que tu as là qui n'a code du numérique, il y a un beaucoup. Tu as code, mais il y a apporté. Il y a un deuxième mandat pendant 2 ans. Et apporté. Non. Deuxième mandat à chef de l'État, a besoin d'engagement, il y a continué. Combat, oyo, à soi qui, à Zali, qu'on continue, pe la concrétisation, il y a code, wana. Mise en œuvre, nango. Parce que ça demandait aussi le temps. Élaboration à cause du numérique. Voilà. Et Ali peut faciliter de Olivier. Et Ali va réflexion. Et Ali peut au niveau de l'Assemblée. Et les qui n'a parlement, et les qui n'a Sénat. Après, le président a promulgué. Donc, et Ali qu'on doit payer moins de temps. Et qu'on doit payer une année. Mise en œuvre, et au Singapour, moins de temps. Il y a un mot pour moi que le président a pour Singapour. Deuxième mandat pour concrétiser. Ma réforme a apporté wana. Na zongi na likambo ya administration publique de Olivier. Na kati administration publique, est-ce que vous voyez que le travail qui a été fait entre le ministre et l'inspection générale des finances, il y a qu'on détecté qu'il y a beaucoup de mutu moko ali na 3 numéros matricule. Kombo moko et ali na 10 numéros matricule, pas fictif. Oh ba ala ki kozwa plus de 70 millions de dollars par mois. Ba ko kote sa yango na mabenga na bango. Mais le travail fait par l'IGF, mais également l'effort, la volonté politique du président de la République, et ça dit que, dénicher ma fictif, voilà, et puis, bloquer Bango. Est-ce qu'il y a les réformes, Mme Bouté? Merci beaucoup. Oui, et c'est qu'il continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Boka, Gustave. Nabandi était aux alliés conseiller à directrice et à campagne de la chef de l'État, Mme Akasia Badoubola, au Yokotambola Pena, chef de l'État, au Kotambola Naye, la campagne Naye, pour ça, la. Alekina Lubumbashi, Alekina Bukavu, Goma, Lelo Akokende, Butembo, Beni, et Yozali Wana sur terrain, la chef de l'État, au Kopalpé du doigt. Question n'a pas les animaux encore. Parce qu'ils ont dit question, Oyo, il dérangeait toi le midi, chef de l'État. Bah, plein haut à ça. Et ça dit, il y a solo, tu as l'image, il y a les vires. Ndeko Olivier, j'ai aimé bien passer dans l'émission là, parce que normalement, je devais être à Bukavu. Mais j'ai préféré que l'émission là, pour éclairer la lanterne,
J'ai fait le Congo central avec l'équipe de la campagne du président. J'ai fait le Grand Équateur. Et si camion sont au président, à Ali Kokendi, bisoto ala qui précédé. Tout sali après le Grand Équateur, tout qui dans la partie orientale. Ba plein oyo a komona. Et ali ba plein a lokutate, y a les vurté. Et je vous mets en défi, nazo pe sa yo compte. Mi balé. Oyo peuple congolais et sengeli abanda kulanda. Pour na komona kada image ya chef de l'État en direct et ali en direct exacté ba sali reportage, ba yé commenté na ba caméra, ba bakisi ba makambu technologique, yo yemi ke technologie lelo et ali makasi. Okoki ko bakisa batu, okoki ko bakisa bason, okoki. Mais oyo ezali en direct na moment oyo président a koloba ya koleka. Ezali compte Facebook. Il y a son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cliquez na kati ya Facebook. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Okomona compte wana. Aimé yango. Okubanda kulanda. Tous les meetings du chef de l'État en direct. Deuxième compte. Isa Fachi président. Na Facebook. Obeti yango. Oakulanda. En direct. Tous les meetings du chef de l'État. Pour au moins que ma image wana et ali ba image moko ya vérité et ali ba image moko montété partout là où nous sommes allés, le président de la République est en communion. C'est l'unique candidat au ali na communion na peuple. Peuple ba Moïse Katumbi en communion na peuple. Pourquoi Olivier, la peuple candidat, il y a peuple congolais, candidat unique. Candidat est le 20 décembre 2023. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi 20. Non, bah, il est peuple. Non, bah, il est bien. Image en direct. Bateau, bah, pour yuer, bah, moi, bah, la capacité à Okata, à Kati, bah, remplacer. Parce que, bah, pour ça, là, bah, reportage. Bisous, toi, pour ça, là, bah, direct. Na Katia direct, c'est ce qui va yuer. Et kokota, et sengele kota na kati. Na pesi yo na tio en défi. Tomoni na lwa laba le chef de l'État koloba batuba kokende na bango. Batuba kotambola ba kita na masolo na bango. Nazalaki na lwa laba ndeko na ngai Olivier. Nazalaki na lwa laba. Na kamina. Mbule beti. C'est le premier candidat ona mona. Mbule ako beta. Chef de l'État en fonction. Candidat numéro 20 ako tambola na kati ya mbula na peuple. Peuple a Aki mamboulate, peuple a lobby et sengeto pour la nayo. Parce que et sengeto la qui sa confiance au toyali na mouet panayo. Parce que tolingi to renouvelé au mandat le 20 décembre. Ba poli, na président, ils ont effectué, je crois, plus de 5 km à pied. Ba akopola, na président. Wana nyon soyali ba image yale vi. Ndek Olivier, kende, ba direct nyon soyali. Je mets tout le monde en défi. Bakota, Batal, Bakomona, peuple congolais aligné, président de la République, peuple congolais aligné, consolidation yabaki. On ne veut pas revenir à zéro. Tout l'ingi, tout consolider baki. Et puis tout baki ça. C'est les 5 prochaines années, le président promet 6,4 millions d'emplois. Et c'est possible. J'ai toujours défendu idée à formalisation à secteur informel. Et finalement, le président en a intégré dans son programme présidentiel. Et je pense que nous serons peut-être les acteurs qui vont pouvoir concrétiser cette vision dans les prochains jours qui arrivent. Tant que mon capitaine chef de l'État, Salima, est-ce que mon amboka Chakmen Chabani, mon amboka Akasia Bandubola, Bazali à la hauteur de la campagne chef de l'État? Mais Ndeko Olivier, tant que mon amboutine d'Aota là-bas là-bas direct, et Ali Ponani, et Ali Pomona, travail à Salim. La team, l'équipe de la campagne du chef de l'État, bah direct et les candidats. Nana est organisé. Mais, les endroits où le chef de l'État est singulier à Koma, a commis.
les équipes arrivent, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes, les équipes arrivent, les chefs tiennent les meetings. Et je rappelle que le président de la République est l'unique candidat qui tient 4-3 meetings par jour et dans les villes différentes. Et même dans les villes, tant qu'on a coupé ça, que le président a coupé dans Kamina, a coupé dans Bumba, dans Boende, dans Lissala, dans Mahagi, na Mokobola. Donc, on a président a coupé des tina fin fond. Il est chef de l'État, mais à l'objet que c'est là rencontrer peuple. Il y a on a que bah meeting moussous et ali ko se tenir na Boutou. Et ali ko se tenir ben na Boutou. Et ça quand t'es pour à comment qui retard t'es full et abattu les qui tant on te commis par exemple dans le Lubumbashi de Konangai. Président a pourquoi a coupé kakotamboulaté a tamboli makolo. A kokite azonginda muna mutuka me mutuka ezali kotambola na makolo ndenge peuple alingi. Ils ont effectué plus de 20 km ba ekokoma na place ya poste oyo esengeli meeting esalema na ba 18h 19h voilà. Après wa kolobake ba image ale vu ndeko kende ba direct ezali. Voilà, merci beaucoup mon amboka Gustave Chibangu Bongo na kati ya team Fativent équipe ya campagne ya chef de l'État et ko accompagner pour que aiba kozwa deuxième mandat soki ba congolais au PC le président Félix Antoine Tshisekedi tu une chance wana message na la population congolaise caméra na ba congolais ba si ba PC confiance parce que ba image ezali ko démontrer connexion entre les chefs de l'État et son peuple. Et aller vous démontrer que la confiance est renouvelée. Message qu'on a pour lancer le peuple congolais. Premièrement, je tiens d'abord à remercier la directrice de campagne, Madame Akacia Bandobola, qui a accepté que je sois dans cette équipe, mais également le président de la République, en tant que son conseiller dans la team Fativent. Le travail qu'elle est en train d'abattre avec son collègue, son co-directeur, qui est M. Jacquemin, c'est un travail et puis nous continuons cet élan dina grand kasai nandenge to kozonga de 18 awa na Kinshasa na Sainte-Thérèse wana pe image à Lévis na kosenga caméra na yo de Olivier et kende na Sainte-Thérèse le 18 pour na ko tala ndenge plein et ko salema renouvellement ya confiance ya peuple kinois na chef de l'État na biso. Donc je dis au peuple de faire confiance au candidat numéro 20 parce que le programme, les 6 engagements que j'ai démontrés ici, peuple Alina Kati, c'est l'unique candidat qui présente ses engagements et qui met le peuple qui se trouve même dans les fonds du pays. Il s'est intéressé à ce peuple-là au travers ses 3 initiatives. Première initiative, le programme de développement local des 145 territoires, volet route. Les routes là, c'est des routes également des dessertes agricoles stratégiques. Merci beaucoup, mon amour. Quand la bandit était commis la souka émission, un grand merci à la population congolaise. L'année où vous continuez pour ça la confiance de Congo Live Télévision, émission est Céline Yango. Mais mon amour, la question est partie. On va aller à Mouni. On tourne d'aller simple. On tourne d'aller très simple. Mon amour, Gustave Chibangu. Quatre équipes, Fativent, conseillé à Madame Akacia Bandobola. Je suis campagne. Campagne à Salima Makassi, la RDC. Campagne à l'américaine, Emily Bino. Décolle, Olivier.